Téléspectateurs, téléspectatrices, Télévision Nationale d'Haïti, une grosse salutation pour nous toutes. Télévision Nationale d'Haïti avec vous depuis Airport International John Fitzgerald Kennedy. Côté président républicain, son excellence Jovenel Moïse, accompagné première dame républicain Martine Moïse, rivé dans New York City pour une visite 5 jours, une visite officielle. Nous connaissons Haïti parmi 193 pays membres ONU qui a participé non, 73e session ordinaire Assemblée générale Nations Unies qui a déroulé sortie 18 pour arriver 28 septembre. Non, thème Assemblée générale Nations Unies en ANESA, c'est permettre Nations Unies efficaces pour tout le monde, leadership mondial, responsabilité partagée et puis société durable. Alors, président République, là, a bien pour prendre la parole sous tribune Nations Unies, jeudi 27 septembre, cap vini là. Mais bien avant jeudi 27 septembre, président République, là, gagne un agenda qui est très chargé ici, là, dans les États-Unis. Côté président République, là, pral gagne pour faire diverses rencontres bilatérales. L'a gagne pour participer dans réunion haut niveau. Et président République, là, parmi toute activité, ça, a bien tout pour prendre la parole dans sommet annuel Concordia, cap déroulé sous thème préparation des assauts face à développement pays d'Haïti, dans développement pays d'Haïti. Président République, dans tout agenda, dans toute activité, ça a gagné, bien entendu, pour rencontrer la communauté haïtienne qui est dans la diaspora. En gros, c'est ça qui fait toute activité qui pourra le faire ensemble, agenda président République, ici, là, dans les États-Unis. Nous-mêmes avec vous dans la télévision nationale d'Haïti, nous avons informé de temps en temps sur tout ce qu'a fait à travers reportage, flash, avec toute intervention que la télévision a bien pour faire. Président République a retourné en Haïti vendredi, cap 28 septembre 2018, cap vini là. Avec vous depuis New York City, Sabine Jean-Étienne et Jean-Naël Duvernay pour la télévision nationale d'Haïti. Seule façon de stabiliser le climat est que les émissions mondiales s'orientent vers zéro. De ce fait, l'on peut à juste titre conclure que si, globalement, le réchauffement climatique n'est pas maîtrisé, la préparation en cas de catastrophe ne peut à ce stade suffire pour éviter des dégâts démesurés dans les pays insulaires, tels nos propres pays, la République d'Haïti ou encore les zones côtières des États-Unis d'Amérique qui sont parmi les plus menacées de la planète. Ceci étant axiomatique, je me limite à vous proposer de mettre l'accent sur notre devoir de prendre les dispositions idoines pour léguer à la postérité une planète plus saine. L'entrepreneur que j'étais avant de devenir président d'Haïti sait qu'avec près de 50 millions d'habitants, en plus des 30 millions de touristes qui visitent annuellement les pays de ma région, la Caraïbe constitue un pôle économique non négligeable et un potentiel énorme pour des investissements dans les énergies renouvelables. Surtout, je veux parler des énergies solaires et éoliennes. Cuba, Haïti et la République dominicaine, avec plus de 35 millions d'habitants, sont les trois pays les plus peuplés de la Caraïbe. J'ose espérer que le Climate Group qui nous reçoit ici, s'ayant donné la mission d'accélérer l'action climatique, puisse jouer concrètement un rôle pour notre mutation énergétique. Mesdames, Messieurs,
L'entrepreneur que je demeure, malgré mes fonctions d'homme d'État, voulait proposer un partenariat public-privé alléchant. Loin d'être une entreprise de charité, il s'agit plutôt d'un geste s'inscrivant dans la droite ligne de l'économie capitaliste, à laquelle vous souscrivez tous, qui nous permettra de redresser le climat et, en même temps, de gagner de l'argent, créer des emplois et générer des richesses. Supposons que les ventures capitalistes, rien que celles qui sont dans cette salle, s'engagent à investir dans un vaste programme de génération d'électricité uniquement à partir des sources d'énergie renouvelable. Principalement, le soleil qui baigne abondamment nos pays pendant plus de 300 jours chaque année. Et imaginons que ces investissements, en plus des pays de la Caraïbe, s'étendent à toute l'Amérique en exploitant les atouts spécifiques de chaque pays. Téléspectateurs, téléspectatrices, Télévision Nationale d'Haïti, un gros salutation pour nous toutes. Télévision Nationale d'Haïti avec vous depuis Airport International John Fitzgerald Kennedy, côté président républicain, son excellence Jovenel Moïse, accompagné première dame républicain Martine Moïse, rivé dans New York City pour une visite 5 jours, une visite officielle. Nous connaissons Haïti parmi 193 pays membres ONU qui ont participé dans 73e session ordinaire Assemblée générale Nations Unies qui a déroulé sortie 18 pour arriver 28 septembre. Non, thème Assemblée générale Nations Unies année ça, c'est permettre Nations Unies efficace pour tout le monde, leadership mondial, responsabilité partagée et puis société durable. Alors président républicain a bien pour prendre la parole sous tribune Nations Unies jeudi 27 septembre cap vini là. Mais bien avant jeudi 27 septembre, président républicain gagne un agenda qui très chargé ici là aux États-Unis. Côté président républicain pral gagner pour le faire diverses rencontres bilatérales, l'a gagné pour participer dans réunion haut niveau et président républicain parmi toute activité ça a bien tout pour prendre la parole dans sommet annuel Concordia cap déroulé sous thème préparation des assauts face à développement pays d'Haïti, dans développement pays d'Haïti. Président République Lantour, dans tout agenda ça, dans toute activité ça, a bien, bien entendu pour rencontrer la communauté haïtienne qui est dans la diaspora. En gros, c'est ça qui fait toute activité qui pourra le faire ensemble agenda président République Lantour ici là, dans les États-Unis. Nous-mêmes avec vous dans la télévision nationale d'Haïti, nous avons informé de temps en temps sur tout ça qu'a fait à travers reportage, flash, avec toute intervention que la télévision a bien pour faire. Président républicain a retourné en Haïti vendredi, cap 28 septembre 2018, cap vini là. Avec vous depuis New York City, Sabine Jean-Étienne et Jean-Naël Duvernay pour la télévision nationale d'Haïti. La seule façon de stabiliser le climat est que les émissions mondiales s'orientent vers zéro. De ce fait, l'on peut à juste titre conclure que si, globalement, le réchauffement climatique n'est pas maîtrisé, la préparation en cas de catastrophe ne peut à ce stade suffire pour éviter des dégâts démesurés dans les pays insulaires, tels nos propres pays, la République d'Haïti ou encore les zones côtières des États-Unis d'Amérique qui sont parmi les plus menacées de la planète. Ceci étant axiomatique, je me limite à vous proposer de mettre l'accent sur notre devoir
de prendre les dispositions idoines pour léguer à la postérité une planète plus saine. L'entrepreneur que j'étais avant de devenir président d'Haïti, c'est qu'avec près de 50 millions d'habitants, en plus des 30 millions de touristes qui visitent annuellement les pays de ma région, la Caraïbe constitue un pôle économique non négligeable et un potentiel énorme pour des investissements dans les énergies renouvelables. Surtout, je veux parler des énergies solaires et éoliennes. Cuba, Haïti et la République dominicaine, avec plus de 35 millions d'habitants, sont les trois pays les plus peuplés de la Caraïbe. J'ose espérer que le Climate Group, qui nous reçoit ici, s'ayant donné la mission d'accélérer l'action climatique, puisse jouer concrètement un rôle pour notre mutation énergétique. Mesdames, Messieurs, l'entrepreneur que je demeure, malgré mes fonctions d'homme d'État, voudrait proposer un partenariat public-privé alléchant. Loin d'être une entreprise de charité, il s'agit plutôt d'un geste s'inscrivant dans la droite ligne de l'économie capitaliste, à laquelle vous souscrivez tous, qui nous permettra de redresser le climat et, en même temps, de gagner de l'argent, créer des emplois et générer des richesses. Supposons que les ventures capitalistes, rien que celles qui sont dans cette salle, s'engagent à investir dans un vaste programme de génération d'électricité uniquement à partir des sources d'énergie renouvelable. Principalement, le soleil qui baigne abondamment nos pays pendant plus de 300 jours chaque année. Et imaginons que ces investissements, en plus des pays de la Caraïbe, s'étendent à toute l'Amérique en exploitant les atouts spécifiques de chaque pays.